7h dans tout studio Télévision nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous matin, là, jeudi, là, pour nous capables présenter aux éditions avant-dernière sortie. Nous, pour ce maintenant, déjà, nous souhaitons passer un très bon jeudi sur Télévision nationale d'Haïti. Mais grand point qui a dominé l'actualité, en visite officielle, président de la République, Jovenel Moïse, sur le continent européen, après poursuivre. Délégation présidentielle arrivée hier mercredi dans Bruxelles, pays Belgique. Ministère économie et finance l'ouvrit hier dans Pétionville, un atelier pour garder et puis passer main dans projet Banque mondiale et Banque interaméricaine développement BID à financer par Boïsit. Financement l'hôpital et centre santé dans zone frontalière yo tenant mitan yon chita palé. Hier mercredi 13 décembre, entre membres de la Commission Santé, dans la Chambre des députés, et représentants de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'Organisation panaméricaine santé, et Fonds des Nations Unies pour la population. Et puis, à l'étranger, docteur dans le pays Angleterre, rive sauver la vie d'un petit bébé qui fait avec elle de l'alcool. C'est pour ça, à quelques autres, nous sommes capables de porter pour un journal là. La petite pause, pas déplacer notre tournée. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour développement information. Et je nous dis, dans le grand titre, visite officielle président pays Jovenel Moïse sur le continent européen après poursuivre côté délégation présidentielle arrivée hier mercredi 13 décembre dans Bruxelles, pays Belgique. Pour première journée de travail, ainsi là, chef l'État a gagné. Qui gagne avec lui un groupe entrepreneur haïtien de rencontrer plusieurs chefs d'entreprises dans le pays Belgique. Discussion a été chita surtout sur possibilité pour consolider échange commercial entre pays d'Haïti et pays Belgique. Sabine Jaïtienne et Jean-Naël Duvenet a présenté nos reportages. Avec une place 13e exportateur mondial et puis 11e importateur pour l'année 2016 là, pays Belgique représente une bonne opportunité pour Haïti en termes d'échange dans affaires business. Échange qui permet un groupe chef entreprise européen venir en Haïti pendant l'année 2018 là pour garder possibilité qui gagne pour faire business sous marché a. Haïti bon côté parle a capable fournir sous marché européen diverses qualités produits. Pour délégation haïtienne nan, voyage d'affaires ça a marqué un bon point pour Haïti économiquement. J'étais très ému. L'homme suit la présentation président de chambre de commerce Berger, voir côté Mounsa Soti, route que vous parcourez, quantité d'expérience que vous gagnez et performance que Mounsa a gagné en fait sur le marché international là. Je pense que Haïti a tout à gagner. Et je trouve que Berger est assez motivé, très intéressé. D'ailleurs, je fais rencontrer trois là qui disent que réellement intéressé pour investir en Haïti toutes les fois que les conditions sont réunies. Et très bientôt, nous allons faire une visite de prospection en Haïti pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Pour ça, nous vivre, pour ça, nous je pense que c'est un nouveau départ. Chance nous avons un président qui était déjà dans l'entrepreneuriat. Et puis, je vous dis, là, les monter avec toute l'équipe là, nous avons une vérité. Yo wè que Haïti décide de travailler, nous pas venir là pour demander ni prêter ni assistana, mais nous venir chercher une coopération avec moun qui déjà dans domaine déjà et puis qui capable nous comme si m'ta dit un moyen pour nous relancer économie nous parce que vraiment bah yo était très mal dans pays. Nous rencontrer d'autres entrepreneurs qui a travaillé en Haïti la question électricité, la question énergie. Donc pour faire énergie yo, des fois yo passer à et énergie au niveau hydrique pour utiliser de l'eau capable faire ça. Donc nous parler avec yo pour nous voir comment nous même nous capable de travailler en réforestation pour que nous capable de gagner de l'eau en quantité pour que les gagner la pluie de l'eau n'est passé pour la pour yo aller dans la rivière pas prendre de l'eau encore pour yo capable prendre de l'eau pour que yo capable faire ça et tout nous parler en termes de qui plante pour yo planter parce que des fois yo pas contre qui plante pour yo planter pour capable faire conservation donc nous discuter de tout ça. Dans intervention le chef l'État a présenté une liste projet prioritaire administration l'en penché sous yo tant que maîtrise et gestion de l'eau énergie à bas carbone environnement et agriculture. Président Jovenel Moïse vend marché haïtien comme yon nan pi bon côté yon entrepreneur qui a fait business dans Caraïbes là. À nos priorités j'ajoute le tourisme. Haïti est la plus belle
la plus magnifique île des Caraïbes, la perle des Antilles. Vous vous souvenez? En plus, elle possède une culture riche dans les arts, dont sa peinture et sa musique, ainsi que sa cuisine. La splendeur de ses plages, l'hospitalité légendaire de notre peuple, fait de Haïti un pays à découvrir. Haïti, ce n'est pas les images négatives colportées parfois dans la presse. Ce n'est pas seulement la région de Port-au-Prince, ce sont 27 750 km². Dans la rencontre, ça, homme d'affaires de pays a eu plusieurs intérêts communs. Débat est fait facile. Il était question de vente d'équipements lourds, produits pétroliers, hôtellerie, produits énergétiques et agricoles. Merci Sabine Jean-Étienne. Compagnie téléphonie mobile Digicel organisée mardi 12 décembre une cérémonie pour capable remettre prix dans le cadre de concours Digicel entrepreneur année 2017. Là. Sous 25 finalistes nationaux, Digicel remet by 5 gagnants trophée dans la catégorie agriculture et environnement, construction, industrie, services et aménagement. C'est Dr. Harry Beauvert, responsable Centre haïtien investigation à traitement avancé dans l'infertilité qui prend prix Digicel entrepreneur pour l'année 2017. Là. Roosevelt Desrosiers a présenté nous un reportage. Surprise, suspense, cri qu'est content. C'est parmi diverses émotions qui t'ont marqué cérémonie remise prix concours Digicel entrepreneur l'année 2017 là. Chaque gagnant dans concours ça t'a exprimé dans façon payo reconnaissance envers Digicel à clients qui participaient dans succès business yo. C'est qu'à gagnant Digicel entrepreneur l'année 2017 là en même temps gagnant catégorie service là docteur Harry Beauvais qui responsable centre haïtien investigation et traitement avancé dans infertilité Chitaï gagnant catégorie agriculture et environnement Hans, Gilbert et Patrick Couley, cap dirigé Taino Aqua Ferme, gagnant catégorie construction, Brandon Booster, dirigeant Verhaus Voda, gagnant catégorie industrie, Marthe Fortuné Doreus, qui gagne entreprise Madame Elie Dubon Crémas, et gagnant catégorie émergent, Valérie F. Adrien, dirigeant United Shipping and Logistique. Moi, je dis bon Dieu merci d'abord, qui va me possibilité à soi pour moi là. Féliciter tout participant qui était là parce que m'apprendre en pile de yo m'apprendre de yo que bon paquet de bagages qui a passé la pays a bougé en pile parce que tout entrepreneur qui était là yo était venu avec des bagages nouveaux pour Haïti et si il y a un bagage qui est important que me dit que Digicel fait là apprendre nous Digicel apprendre nous que pays pour l'avancer vite entrepreneur, faut que nous lever comme nous. Chaque fois, nous avons un rêve en tête, pas hésiter, avancer, foncer. Et combat qui pour faire Haïti changer, son combat pour mener quartier après quartier. Quartier après quartier, ça veut dire que ça, chaque idée, chaque sujet, nous avons, chaque fois, nous voyons que le pays dépendant de nos domaines bien déterminés, faut nous essayer de rendre le pays indépendant. Entreprise en Haïti joue un rôle essentiel dans le développement pays, d'après le président directeur général Digicel. C'est peut-être ça, Anessa Martin Boutkoué, il était important pour qu'on croit encourager entrepreneurs yo partager youna Claude ça yo connaît pendant y a metté nouveauté dans façon y a fonctionné. Succès en affaires consiste à offrir quelque chose de nouveau. Un nouveau produit, une nouvelle idée, une nouvelle approche de ce que le marché demande. Certains croient que le projet relate du fait d'être visionnaire. Pour d'autres, il s'agit d'être innovant. Ceux qui privilègent la collaboration en équipe, à leur tour, parlent de créativité et d'idées émises par tout et chacun. En réalité, toutes ces choses sont liées entre elles, autour d'un point commun qui est le savoir. Avec tous ces signaux positifs
d'une Haïti qui change, je suis en mesure de dire fièrement que Digicel promue un modèle d'entrepreneuriat qui mène à la création de vrais emplois, ainsi qu'à la stabilité économique. Votre mission en ce sens est vitale pour l'avenir d'Haïti. Représentant président République, là, dans la cérémonie remise prix concours Digicel Entrepreneur l'année 2017, là, ministre planification et coopération externe, Aviol Flairant, applaudit Digicel pour l'initiative ça, d'après lui, qui a fait promotion valait dans la société. Le ministre Flairant déclaré, gagner dans le concours, c'est une source d'inspiration pour plusieurs autres mondes. Je profite de l'occasion pour exprimer les mots de satisfaction du président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, qui prend part actuellement au sommet européen mondial sur le financement de l'action climatique. Il a parlé du sommet sur le financement de l'action climatique. Il y a lieu de voir une approche croisée entre la promotion de l'agriculture, de l'environnement, des services, de l'agro-industrie, de l'émergence que fait aujourd'hui la Digicel. Je m'en voudrais de ne pas saluer cet effort, de ne pas dire à chacun des participants à ce grand concours Digicel Entrepreneur de l'année que vous incarnez ce rêve de l'haïtien de l'arrière-pays, que vous incarnez ce rêve de chaque haïtien de l'an 2050, l'an 2070, lorsque disposition déjà prend pour ouvertir 48e session Assemblée parlementaire africaine Caraïbes Pacifique jusqu'à vendredi 15 décembre et puis 34e session Assemblée parlementaire ACPUEO qui vient pour fête lundi 18 décembre cap venir là dans capitale pays d'Haïti. Changement climatique, choléra et question instabilité politique fait partie divers thèmes qui pral fait débat dans Assemblée ça. D'après député Price Cyprien, qui est président Assemblée parlementaire ACP, par Boïsite. Activité Sayo, qui commence lundi 13 décembre, doué boutant 20 décembre, Kavinila, toujours d'après député Cyprien. Nous extrémico Esaïe Aurélie et Evans Joseph. Aujourd'hui, nous sommes en Haïti en train de réaliser deux événements majeurs. Tout d'abord, la 48e session de l'Assemblée parlementaire des pays ACP et à partir de lundi, ce sera la 34e session de l'Assemblée paritaire ACP Union européenne. Donc on a commencé ce matin avec les réunions de la commission des affaires politiques, Haïti représenté dans la commission des affaires politiques là et matin là, nous t'es intervenu pour nous parler de situation politique en Haïti, côté nous t'es démontré que journée jodian et situation politique là relativement stable, mais sous l'instigation de nos amis, nos collègues du Parlement, il y a deux points essentiels nous toucher, particulièrement point question choléra. Nous avons profité tout pour avancer sous question réchauffement climatique là. Vous savez que normalement, il y a un fonds qui est disposé pour ça, où on va essayer de voir comment venir en aide aux pays des petits États insulaires qui sont particulièrement touchés par le réchauffement climatique. Et à ce niveau-là aussi, les pays de l'ACP vont nous aider pour voir comment on va pouvoir aider Haïti. Donc, qui vient nous commencer Assemblée ACPO, c'est toujours commission réunie dans le premier jour. Et vendredi matin, nous allons avoir une grande plénière pour Assemblée ACPA, grande plénière. Là, côté, nous allons avoir une intervention président Charles Sansi qui sera là comme président chambre députée. Et nous allons gagner toute intervention au niveau de certains membres de l'ACP
et vendredi matin et nous prenons le travail sous tout travail que la commission a fait pour nous préparer réunion pour samedi matin. Donc il y a plusieurs réunions comme ça et à partir de lundi nous prenons le gagner et Parlement européen qui va rentrer en ligne de compte. Là c'est pays ACPO seulement, Afrique et Pacifique qui a réuni jusqu'à dimanche. À partir de lundi pays européen pour rentrer en ligne de compte, nous allons gagner 34e assemblée paritaire ACP Union européenne. Donc c'est ça nous allons gagner, c'est menu jusqu'au 20 décembre, nous allons travailler en ce sens. N'a toujours été dans le dossier parlement, président commission santé dans chambre député à Sinala Betran. Chita parlé mercredi 13 décembre avec représentant Organisation mondiale santé OMS, Organisation panaméricaine santé OPS et Fonds Nations Unies pour population FNUAP sur financement l'hôpital et centre santé dans zone frontalière. Rencontre ça réalisé pour porter réponse à décision République dominicaine prend pour pas accepter femme enceinte dans zone frontalière traverser là pour aller prendre soin la Kaili. Député Sinal Bertrand expliquait représentant institution Sayo montrer yo veut supporter ministère santé publique et population dans démarche si là. En nous suivant extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. UNFPA, ça nous les FNUAP et puis représentant ministère là, c'est concernant décision République dominicaine de prendre compte et femme enceinte yo. Je pense que c'est pour une réunion politique, mais elle est plus technique. Je pense que UNFPA, un coup de chapeau pour lui, parce qu'il est disponible pour lui non seulement supporter en matière d'intrants, lui qui a toujours supporté selon l'homme, le monde qui est en service social, mais tout lui qui a supporté en déploiement et sage-femme, etc. Même une clinique mobile, il y a qui est disponible jour et jour pour aller sous frontière. Pour nous garder femmes enceintes, nous avons consultation prénatale en nutrition, en violence qui est basée sur genre, etc. Ça veut dire, journée aujourd'hui, je pense que nous sommes très avancés. Nous avons OPS, OMS qui mettent un fonds disponible déjà. Nous avons UNICEF qui dit qu'il est très prêt pour avancer en Sanavel. Je pense que c'est une rencontre qui va faciliter le ministère d'ici janvier pour nous avoir des représentations sur frontière là, vous semblez dire, l'institution sanitaire en matière de personnel entrant et puis et équipement. Donc, le budget santé publique, c'est 4,3% qui ne prévoit rien sous bagaille comme ça. Nous avons deux députés cross qui sont députés dominicains qui font déclaration hier en Italie pour dire Saint-Domingue n'est pas capable de dépenser 5 milliards de pesos pour nos femmes haïtiennes. Vous comprenez, c'est un bagaille qui est à la main. Son bagage qui est humiliant pour la République dominicaine aller dans ce sens. Alors que le budget global santé publique, non, c'est 6 milliards de gouttes. Alors que vous même dit vous dépensez 5 milliards de pesos pour nos femmes enceintes. Moi, c'est journée aujourd'hui, la commission a joué un rôle de facilitateur entre international là. Parce que c'est différent. Le ministre n'a pas parlé de tout bagage. Il y a un premier ministre pour respecter. Il y a un président pour respecter. Nous-mêmes ici, nous parlons à cœur ouvert. Si nous commençons à jouer un fonds, nous allons toujours continuer à jouer un fonds. Nous avons $300,000 américains qui pour un projet binational et sous Nord-Est. Je ne veux dire, nous avons supposé sensibiliser UNFPA qui est déjà prêt, UNICEF qui dit qu'il est prêt, mais pourquoi qu'il dit ensemble des bagailles. Nous avons l'Union européenne qui dit qu'il est prêt pour l'avancer. Nous avons et BID qui est prêt pour avancer. Je pense qu'au-delà des budgets, nous allons sensibiliser la commission présidentielle santé. Pour garder qui s'en a joué nous-mêmes, parce que l'international a toujours voulu, il faut mettre un apport par où, mais nous avons continué à sensibiliser l'international à cœur ouvert, j'en parle direct ici, pour garder si nous avons joué un petit cob pour les gens qui souffrent au moins pour accoucher dans le pays sans pas besoin de traverser là-bas. Nous avons toujours été dans ça qui est pour la question de la santé. L'hôpital Saint-François de Sala, dans la tête collée à la Catholique Rive Association, organisé mercredi 13 décembre, un séminaire formation dans l'intention infirmière qui dans l'hôpital Célare. Séminaire ça rentré dans le cadre de démarche responsable l'hôpital Saint-François Salio, a mené pour capable faciliter plusieurs autres infirmières qui ont plus de connaissances dans la méthode qu'ils doivent appliquer pour capable réanimer les gens qui ont des problèmes respiratoires en Haïti.
D'après directrice en soins infirmières dans la Saint-François-de-Salle, Marie Fada Sela. Les dynamiques John Herbie Casséus et le roi d'Ali Jean-Jacques en nous suivant le reportage. C'est au total 10 infirmiers qui ont participé dans le séminaire de formation sur réanimation cardio-respiratoire. À partir de formation, ça, professionnels de santé l'hôpital Saint-François-de-Salio pour avoir plus de connaissances sur comment et qui les aider les gens qui ont un problème respiratoire. Aujourd'hui, c'est une formation de préparation. Okay? Donc, nous avons fini, nous avons d'autres étrangers, il faut dire que nous avons des partenaires, nous avons d'autres étrangers qui sont venus pour finir la formation, côté que nous avons une certification pour que les gens qui prennent la formation, 10 infirmières, viennent des formatrices certifiées au niveau national. On a dit des formatrices et certifiées nationales. Ça qui gagne la donne, c'est que l'on ne pas réagir, qui sont pour faire pour lui. Et qui ça pour faire si c'est un adulte, si c'est un bébé et si c'est un petit monde. Donc c'est tout ça qui en dans on a dit journée 1 que on va parler de lui. Pour réanimer un monde qui pas respirer ou capable de faire bouche à bouche avec lui, ou soit faire compression pour lui avec main, d'après un participant, yo, Cynthia Calixte. Tant que je montre la pratique, là, le, face à un monde qui a un arrêt cardiaque ou bien un jeune homme à terre, donc peut-être que c'est ça qui fait le tomber, peut-être qu'il faut un arrêt cardiaque. Alors, premier bagage pour faire, ou t'as de chercher aide avant même que vous commencez à être malade. Là. Chercher aide, là, mouer, dire, porter un secours, et puis après que nous avons fini sous malade. Regardez si vous avez un bagage capable de faire que vous-même tout en danger. Et puis après ça, on commence à faire compression pour mon âme. Si c'est un adulte, 30 compressions, 2 bouche à bouche, comme vous dites, 2 insufflations. Si c'est un petit monde, on dit un petit monde, pas un petit bébé, ok? Oui, un adolescent, merci. C'est 15 compressions pour 2 insufflations. Infirmière Sayo, qui a bien poursuivre plusieurs autres formations sur réanimation cardio-respiratoire, a bien pour mission partager Sayo recevoir dans ce séminaire ça à l'autre infirmière, selon le responsable de l'hôpital là. Ministère économie et finance l'ouvre mercredi 13 décembre à Pétionville. Il y a un atelier pour capable garder et puis passer maintenant projet Banque mondiale et Banque interaméricaine de développement à financer dans le pays d'Haïti. Projet dans le secteur transport, de l'eau et assainissement, agriculture, éducation, santé, c'est parmi les projets qui discutent dans la première journée atelier SILA. Représentant chaque ministère dans le secteur qui a un projet sa yo, mélangé avec représentant institutions financières internationales yo, a discuté pendant 2 journées. Nous avons toujours été dans la question de formation puisque il y a un ministère économie et finance qui organise un atelier restitution mercredi 13 décembre dans l'idée pour capable présenter un nouveau plan d'action et stratégie sous application loi 4 mai 2016 là par rapport à élaboration et puis exécution sous loi finance là. Dans ce sens, directeur général du budget Jean-Michel Silin fait connait atelier ça rentré dans cadre réforme budget éducation et administration publique yo pour un meilleur plan d'action dans utilisation budget l'état haïtien. Nous avons extrait dans déclaration Jean-Michel Silin Namiko Dalena Dorivala ak Hervé Pierre. L'État haïtien a publié une loi qui le 1er février 2017 pour élaboration et exécution budget l'État. Nous connaissons que budget l'État pour l'exécuter, pour le préparer, pour le contrôler, il faut qu'il y ait une loi qui régit et toute activité ça. C'est dans le cadre de ça, loi a sorti, nous avons une assistance technique pour nous faire une stratégie de mise en œuvre, parce que c'est une loi pas qu'à appliquer du jour au lendemain. Là, prend temps, c'est de manière progressive. Et bien, nous réunissons matin pour nous présenter un plan d'action. Comment appliquer la loi ça pour nous passer du système budgétaire que nous avons connu, qui est un système budgétaire axé sur les moyens, à un système budgétaire axé sur les résultats. Ça, nous avons fait la matin, c'est la réforme budgétaire qui passait à travers la loi du 4 mai 2016 sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances. Et c'est là qu'on a quitté la Caïnou, nous pour aller à l'étranger, mais puis près, dans le pays États-Unis, puisque il y a un candidat démocrate là, qui remporte l'élection sénatoriale à Alabama avec 49,9% voyou. Élection ça qui s'est déroulée mardi 12 décembre passé. On nous suivre le reportage à Pierre News.
Cela fait 25 ans que ce n'était pas arrivé et cela met Donald Trump dans l'embarras. L'élection surprise du démocrate Doug Jones au sénatorial de l'Alabama est un nouveau revers pour le président américain. Trump, non seulement avait misé sur le mauvais cheval, le pro-arme à feu et accusé d'agression sexuelle sur mineur Roy Moore, mais en plus, il voit échapper à son parti un État qui était une valeur sûre républicaine. Le dirigeant des démocrates au Sénat s'en réjouit. Roy Moore était un très mauvais candidat, dit-il, mais ce serait une grave erreur pour les républicains de lui faire porter toute la responsabilité de cette défaite. Même dans l'Alabama profond, la marque républicaine est maintenant toxique. L'ultra-conservateur Roy Moore, lâché par une bonne partie de la droite américaine, avait malgré tout gardé le soutien de Donald Trump. Son attitude volontiers arrogante et les accusations d'abus sexuels pesant sur lui lui ont coûté la victoire. Réaction de Donald Trump. Beaucoup de républicains pensent différemment et sont très heureux que les choses se soient passées comme cela. Mais en tant que dirigeant du parti, j'aurais voulu ce siège et je soutiens les candidats. Se profile en 2018 les élections de mi-mandat au Congrès et avec cette défaite en Alabama, le parti de l'éléphant voit sa majorité réduite au minimum au Sénat, 51 sièges seulement sur 100. Alors les démocrates se mettent à rêver de gagner la Chambre des représentants l'année prochaine. N'a quitté l'Amérique, nous pouvons aller en Europe et nous t'ai dit dans grand titio. Et ben gagne un petit bébé Vanellope Hopper Wilkins lui-même qui fait avec un problème qui vraiment dans le domaine médical là, c'est un petit monde qui fait avec Kelly en New York Colli. Et ben il subit une opération. Opération passée très bien et docteur arrivé sauver la ville. À nous suivre le reportage. Cette petite fille est une miraculée. Elle souffrait à sa naissance d'une pathologie très rare, une ectopie cardiaque. Autrement dit, son cœur se trouvait à l'extérieur de son corps. Un scanner a révélé l'anomalie dès la 9e semaine de grossesse. Malgré les risques, ses parents décident de garder l'enfant. Immédiatement après l'accouchement par césarienne, des chirurgiens de l'hôpital Glenfield de Leicester la prennent en charge. Trois opérations seront nécessaires pour replacer le cœur à l'intérieur de la poitrine. C'est un moment merveilleux, absolument merveilleux. Si vous aviez vu comme elle était en naissant et où elle en est maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est... C'est au-delà du miracle. Ce succès chirurgical est une première au Royaume-Uni. Seuls 5 à 8 bébés sur 1 million naissent avec cette malformation. Ils ont généralement moins de 10% de chances de survie. Et c'est ce succès médical ça que nous mettons dans le journal là, mais avant que nous nous abaillons, permettre que nous rappelons un grand point qui domine l'actualité. Visite officielle président de la République, Jovenel Moïse, sur le continent européen. Après à poursuivre, délégation présidentielle là, arrivée hier mercredi à Bruxelles, pays Belgique. Ministère économie et finances l'ouvre hier dans Pétionville, un atelier pour capable garder et puis passer maintenant projet Banque mondiale et Banque interaméricaine développement à financer dans le pays d'Haïti. Financement l'hôpital et centre santé dans la zone frontalière, c'est dans le temps de parler hier mercredi 13 décembre entre la commission santé dans la chambre des députés et représentant organisation mondiale en santé, organisation panaméricaine en santé à fonds Nations Unies pour la population. Et à l'étranger, docteur dans le pays Angleterre, rive sauver la vie d'un petit bébé qui fait à quel de Yokola. Nous te contents ensemble avec vous, vous êtes capable de présenter aux informations. Il est déjà 7h30, nous sommes capables d'aller. Nous souhaitons passer une bonne journée sur la télévision nationale d'Haïti.